petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Et pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers que j'ai reçu hier, issu de la nouvelle vague Titans Return. Voilà. Donc un petit Legend dans la présence de notre ami Autobot Seaspray. Voilà, en hommage à notre bon vieux géant que j'affectionne moi tout particulièrement. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous en parler un petit peu plus sur ce dernier. Et puis moi, je vous dis quant à moi, rendez-vous peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Voilà, comme vous le disais avec beaucoup d'entrain, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Seaspray de la collection Titans Return, dont voici tout de suite le packaging. Alors désolé si l'image est un peu sombre, comme d'habitude je n'ai pas de chance. Voilà donc notre petit Seaspray tout fraîchement arrivé de chez Capotoy, voilà, que j'ai commandé donc quasiment l'intégralité de cette nouvelle vague sur le site Capotoy. Et voilà donc le packaging, donc nous retrouvons tout de suite donc un artwork juste ici et juste ici de notre ami Seaspray dans sa forme Overcraft légèrement modernisée par rapport à la version G1 et heureusement. Au dos de la boîte nous retrouvons donc notre ami Seaspray dans son mode bot et dans son mode alternatif avec une petite bio nous indiquant qu'aucun Decepticon ne peut percer les défenses navales de Seaspray. Voilà. Voilà en ce qui concerne le packaging. Concernant le contenu, donc nous retrouvons la petite notice d'utilisation que voici. Voilà, que je n'ai pas touché. Et puis donc la petite carte collector. Voilà, donc voici tout de suite la photo. Voilà, très très bel artwork de Seaspray. En plein dynamisme. Là, j'aime beaucoup cette action. Voilà, très très représentatif de Seaspray avec au dos donc voilà les specs de notre ami, donc bon, à savoir que pour la force qui n'a que 3, ce n'est pas sa principale qualité, mais à côté de ça donc il n'en demeure pas moins un TF plutôt bien testostéroné et plutôt bien burné dans nos amis minibots. Donc voilà en ce qui concerne le contenu de la boîte, et tout de suite sans plus tarder voici notre ami Seaspray. Alors comme d'habitude, hop, je vais faire un petit focus, une petite mise au point de ce dernier, que l'on puisse l'admirer sous toutes ses coutures. Voilà donc notre ami Seaspray dans son mode Overcraft. Alors vraiment de toute beauté, je le trouve vraiment superbe. Voilà, il n'y a pas à dire. La finition est remarquable pour un Transformers de cette échelle-là. Mais c'est vrai que l'essentiel de cette gamme, de toute façon, est une excellente surprise depuis le début. Et là, une fois de plus, ben voilà, nous avons droit, Hasbro nous fait bénéficier d'un nouveau moule en la présence de Seaspray. Donc vraiment, voilà, le moule est super bien fait. On retrouve tout à fait la forme Overcraft, rien à dire là-dessus, avec les caractéristiques qui caractérisent donc notre ami Seaspray. De jolies vitres noires à l'avant. On aura quelques petits détails bien fichus. Nous avons donc cette partie-là qui est amovible, hein, sur laquelle nous pouvons voir donc un sticker avec le symbole Autobots et puis donc deux stickers qui viennent orner le mode bot. Donc pour ça vraiment, voilà, très très bien. Donc ils ont ajouté cette petite arme amovible, un petit peu comme ils l'ont fait pour Brown. Et puis donc on a la petite tête ici qui est cachée par ce petit panneau-là. Voilà, ça c'est pareil, je trouve ça assez sympathique. Alors, le petit véhicule en lui-même est vraiment très très bien fichu avec les petites hélices rotatives. Donc vraiment, voilà, un bien, bien chouette hommage à Seaspray. Voilà un petit peu donc au niveau de l'undercarriage. Bon, on peut être clément avec lui, hein, parce que c'est quand même assez propre, je trouve, surtout pour un petit Legend. Donc pas grand chose de négatif à dire à ce niveau-là. Et puis donc, comme la plupart des Titans Return de cette gamme-là, donc il est possible, hop, en soulevant donc cette partie-là, de pouvoir loger un petit Titan Master. Donc ça, je trouve, alors il n'est pas fourni avec, hein, ça fait partie de ma collection, mais je trouve quand même l'idée bienvenue. Et donc pour le placer aux commandes de Seaspray, donc voilà, hein, vous avez le petit compartiment. Il suffit tout simplement de le positionner, positionner bien la figurine, parce que vous voyez, vous avez juste une petite ouverture ici qui permet, voilà, de venir se fixer au niveau de la tête, sinon vous voyez, vous n'arrivez pas à cliquer le dos du véhicule. Voilà, et là donc on voit que la tête ressort bien. Donc voilà, là c'est bien enclenché,
Donc vraiment très 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 sympathique petit véhicule, hein. Je le trouve vraiment super mignon, super attachant. Et puis j'étais déjà fan du G1, donc là je trouve que l'hommage est vraiment très très réussi. Petite photo de famille à présent de notre ami Cisprey aux côtés d'autres collègues et amis de la team Minibot Autobots. Et petite photo de famille de dos de Cisprey, donc le Titan's Return. Et le petit précieux, notre fameux G1. Voilà. 32 ans les séparent et on voit que l'évolution, pour le coup, est vraiment top, quoi. Notre nouvelle version 2.0 de Cisprey est vraiment de toute beauté, je trouve. Voilà, donc après avoir fait le tour du mode alternatif, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc nous commençons par retirer sa petite arme, son petit accessoire. Ensuite, vous allez déclipser les petits ergots qui se trouvent juste ici et qui viennent se loquer là. Donc vous faites cette opération-là pour les deux bras, comme ceci. Ensuite, vous séparer ce qui va venir former les jambes, pardon, et vous venez, voilà, étirer le tout comme ceci. Donc n'oubliez pas de faire basculer aussi la jupette. Voilà, Cisprey avec des grands panards. Donc ensuite, vous rabattez ces deux petits volets-là à l'arrière. Voilà, on voit quelque chose du. On voit quelque chose du 412. Ensuite, donc, une fois que nous avons donc détaché comme au début donc les bras, donc nous venons les placer comme ceci et comme cela. Ensuite, vous rabattez ce petit volet et vous venez donc d'éclipser cette partie-là. On n'oublie pas de retirer le petit Titan Master. Ensuite, vous déloquez cette partie-là. Vous la positionnez ainsi pour former le backpack. Et vous n'avez plus qu'à rabattre et loquer cette partie-là. Et voilà, ladies and gentlemen, notre ami Cisprey transformé. Et il est du tonnerre, absolument mignon. Voilà, très très fidèle, très très fidèle à l'esprit du G1 et au cartoon. On retrouve tout ce qui caractérise vraiment notre ami Cisprey, les couleurs, des stickers aussi, comme je vous disais, qui sont apposés là, donc qui viennent donner une petite touche supplémentaire, un petit cachet supplémentaire à la figurine. On a le visage qui est absolument remarquable, très très ressemblant. Ah, super bien fichu. Rien à dire là-dessus. On a vraiment une figurine qui tient bien la route, qui est propre, qui est bien finie. La transformation pour un Legend est là encore très fun. Vraiment, voilà, cette gamme Titans Return est réellement pleine de très bonnes surprises. Donc j'ai hâte d'ouvrir un petit peu mes autres boîtes, les autres boîtes que j'ai reçues, et de vous en faire les revues, parce que là, vraiment, voilà, cette nouvelle vague est tout simplement onctueuse, voilà, absolument superbe. J'en suis vraiment très fan. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête, alors on a un petit peu de mal à la faire pivoter à cause de cette barre juste ici, mais la tête est sur rotation à 360, donc pas de souci, hein, pour l'orienter. Nous avons donc les épaules sur ball joint avec une rotation intégrale. Voilà, au niveau de l'amplitude, pup dove, voilà un petit peu ce que nous avons. Donc ça reste correct. Nous avons également donc un ball joint au niveau du coude qui permet une rotation intégrale et également donc une pliure du coude. Les mains sont fixes, le buste est fixe. Au niveau des jambes, donc nous avons voilà le grand écart. Voilà ce que nous avons à voir, hein, comme amplitude maximum, on ne pourra pas aller plus loin. Ensuite, voilà. Concernant celui-ci, pas de souci. Nous avons également un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe, une articulation qui permet aussi, voilà, de plier le genou
et le pied qui pivote également. Donc vraiment, en termes d'articulation, on a vraiment de quoi se faire plaisir. La figurine est vraiment chouette. Moi, je la trouve vraiment badass. Un bien chouette petit père. Alors, on va essayer de lui donner une petite pose assez sympathique. Alors, le problème, c'est qu'avec ses big panneurs, voilà. Hop, et on va lui placer son petit gun. Et voilà notre ami Sisprey dans toute sa splendeur. Vraiment une très 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 jolie figurine que j'aime beaucoup. Petite photo de famille à présent de mes quelques mini-bots réunis. Et c'est juste le top de pied de panneur. Et petite photo de famille de nos deux Sisprey réunis, notre bon vieux G1 chéri et puis notre petit Titan's Return. Voilà. Absolument superbe. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée à cet excellentissime petit père Sisprey issu de la nouvelle vague Titan's Return. Voilà, une nouvelle vague qui semble déjà très très prometteuse. Voilà, nous allons voir ça au fil des semaines. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt. Allez, bisous les amis, faites attention à vous et bonnes vacances. Bye bye. Tchuss. Et sinon, Sisprey, dis-moi, ton nom, c'est parce que tu fais en spray dans l'eau? Mais qu'il est con !